Namasté, bienvenue dans cette nouvelle séquence sur la méditation. Je vous propose une méditation guidée et la méditation c'est très simple. Ça nous mène dans un état de paix profonde et de joie intérieure. Cela permet de réduire le flot incessant de nos pensées. Trouvez un endroit calme et une assise confortable. Pour votre assise, vous pouvez tout à fait être sur une chaise, être assis avec un coussin sous les fesses ou encore avoir les jambes allongées devant vous, vous positionner sur vos genoux ou vous asseoir en tailleur. Une fois que la position des jambes, vous l'avez trouvée, vous occupez de votre colonne vertébrale et vous trouvez à redresser le dos, du sacrum, de sa racine, jusqu'au sommet de la tête. Quand vous êtes installé confortablement, vous pouvez fermer vos yeux, tourner les paumes de main vers le ciel et n'être plus qu'à l'intérieur. Pour préparer cette méditation, pour préparer le mental à être plus paisible, nous allons utiliser un exercice respiratoire, un pranayama. Cet exercice se nomme Nadi Shodhana. On va boucher alternativement les narines et cela va nous apaiser. Avec la main droite, utilisez le pouce et l'index pour boucher vos narines. Ceux qui pratiquent le yoga, qui connaissent la pince traditionnelle, vous pouvez aussi l'installer. Le menton est un peu rentré pour étirer la nuque. Commencez par inspirer par la narine gauche. Donc vous bouchez la droite avec le pouce et vous inspirez librement par la narine gauche. Et maintenant vous allez expirer par la narine droite. Donc l'index bouche la narine gauche, la narine droite se trouve libre, vous pouvez expirer calmement. Puis vous réinspirez par la narine droite, celle qui est libre. Expirez par la narine gauche. Donc, il y a toujours une narine complètement bouchée et l'autre libre pour faire circuler l'énergie. Continuons, on inspire à gauche. On expire à droite. Soyez attentif à la sensation de l'air qui frotte à l'intérieur des narines. Inspirez à droite. Expirez à gauche. On le fait encore. Inspiration à gauche. Expiration à droite. In à droite. Ex à gauche. Dernière fois. Inspire à gauche. Ex à droite.
Inspirez à droite. Exhale à gauche. Puis là, vous pouvez reposer la main droite sur le genou droit. Gardez les paumes de main tournées vers le ciel. Le dos toujours bien droit. Le menton un peu rentré, les yeux fermés. La méditation est un état de grande clarté, sans pensée. Et pour vous rapprocher de cet état, vous allez commencer par observer les pensées, les unes après les autres. Vous les observez, mais sans leur accorder la moindre importance. Sans leur donner de l'attention. L'une, puis l'autre. Elles défilent devant vous, comme les nuages. Il y a ces pensées et en même temps, le front qui se relâche, son milieu et les tempes, décontractés au niveau des joues et l'intérieur de votre bouche. On avance un peu plus profond à l'intérieur. Et les pensées, on va les orienter dans une seule et même direction, celle de la respiration. Vous pouvez même aider le mental à se concentrer. Et répétez intérieurement, j'inspire profondément. J'expire, je relâche. J'inspire profondément. J'expire, relâche. Les pensées sur le souffle. Le souffle qui prend l'espace de la pensée.
allant encore plus loin dans la méditation. Vous n'allez plus guider les pensées, ni même observer. À l'inverse, vous laissez faire. Comme si vous voyagiez dans le vide. Il n'y a plus rien autour de vous, à part l'espace et le silence. Quand vous décidez de sortir de la méditation, du temps de silence, bien vous bougez vos doigts, vous pouvez étirer les bras vers le ciel, sur les côtés. Frottez aussi le visage, frottez le corps et ainsi revenir. Je vous remercie pour votre grande présence. Et je vous dis à bientôt. Namasté.